Bonjour à tous et bienvenue sur Ovango, moi c'est Carmoon974 et aujourd'hui pour vous je vais filmer le Run 400 de Saint-Leu. Et bien sûr qui dit Run 400 dit bien sûr présentation de véhicule. Aujourd'hui je vais chercher deux petites pépites pour vous présenter et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo avec moi. Et c'est parti, on y va. Pour cette première présentation de véhicule, je suis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors il va nous présenter sa Volkswagen Fox. Pourquoi le choix d'une Volkswagen Fox? Ben, déjà pour le poids. Ouais. Ouais, pour le poids. Après c'est une Volkswagen Fox 1400 TDI. D'accord. Swappé déjà pour les supports, tout ça, tout y revient pareil en fin de compte. D'accord. Ouais, en gros lui dans une Seat 6L mais en version plus compacte, ouais, et plus léger. Ouais, si, voilà, ah, ouais, miniature. Et aujourd'hui, que ça donne un petit peu en termes de temps? Ben là pour l'instant nous sommes dans les 13 déjà. 13 secondes, 400 mètres. Ouais, voilà. C'est la première montée que tu fais avec la voiture? Premier okay. Run, premier. Ah, elle est belle alors. Je viens de juste finir la voiture même. Ouais, premier, elle est bien, elle est top. Alors, je te laisse du coup nous présenter cette petite bombe. Ben après, comme il dit, en pièce même, on va dire standard, turbo, ouais. L'échangeur. Quel turbo tu as mis dessus? VK. Un VK, tu veux préciser ou Non. Je ne vais pas préciser. Comme la plupart des gens qui ont le TDI, ils ne précisent pas du oui, tout voilà. Ce qu'ils ont comme turbo. Ensuite, je pense que tu as un échangeur. Échangeur, oui, voilà. Injecteur, le nez. Ouais. Voilà. D'accord. Maintenant, on passe à la partie intérieure avec Olivier. Alors, qu'est-ce que tu as pu changer dans cet intérieur? Ben, l'intérieur, déjà, m'a pris les sièges Volkswagen Up. C'est ouais. Les sièges d'origine, c'est plus vrai. Léger en poids. D'accord. Et après, des petites modifications comme volant GTI, pour les palettes, pour le bouton du gaz, tout ça. Ah. J'aime bien des trucs propres. Du coup, les palettes, ça sert à quoi? Pour le gaz. très stylé tout ça. Et ensuite, du coup, le pommeau de vitesse, c'est d'origine? Une pommeau de vitesse boîte 6, comme c'est une boîte 6 dessus qu'on a mis. C'est vrai, voilà. D'accord. Et ensuite, bon, du coup, post radio et tout d'origine. Juste d'origine. Un petit matin. Oui, voilà, il y a même encore la clim et tout. Ah, elle est belle ça. Est-ce que tu fais le run avec la clim? Quand on accélère, non, mais dedans, avant, oui. Ah. Comme il fait chaud, il rend service. Ben, c'est un peu température. Voilà. Alors, du coup, merci Olivier pour la présentation de ta voiture. Merci d'avoir présenté ton véhicule pour le magazine Ovango. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Je veux dire merci à l'équipe, à Sprefa, mon formateur, Damien, Omega, tous les sponsors, moi-même aussi, comme les panaches, Fadjo. Ok, voilà. Il est bon. Ben, écoute, toujours de la joie, la bonne humeur. Toujours. Allez, nous retrouve. Alors du coup pour cette deuxième présentation de véhicule, je suis avec Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu nous ramène sa BMW 335i, modèle anglais. C'est ça. D'accord, donc la voiture est préparée. Déjà pourquoi le choix d'une voiture avec qui a le volant à droite? Après, volant à droite c'est la question des moyens aussi, hein, par rapport à les voitures d'aujourd'hui, même volant à gauche à d'aujourd'hui, même moteur. Un petit peu plus cher, donc on est passé sur un volant à droite. D'accord. Elle est arrivée ici entièrement d'origine, fin 2018. Oui. Après, fin 2019, on s'est commencé à rentrer un petit peu dans les runs, d'origine, comme ça. Et puis, stage 1, stage 2. C'est ça. Et là, on est sur 1, combien? Voilà, c'est ça. Là, on est à stage 3 aujourd'hui. Stage 3, d'accord. Donc voilà, donc au fur et à mesure, on a voulu faire les runs, après, on a voulu. Il manquait un petit peu d'affaires, on a voulu mettre un petit peu dedans, et puis voilà, là, aujourd'hui, on est là. Wow. Ok, donc on est sur un biturbo. C'est ça, biturbo, 1,54. 6 cylindres. 6 cylindres. D'accord. 3 litres. Alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que tu as rajouté du coup à l'intérieur de ça? Après on a fait tout ce qui dit l'admission. Ouais. Inlet turbo. D'accord. D'accord. Les dent valves. Le collecteur d'admission on a changé. Là on est passé du turbo hybride. C'est un collecteur, on va dire que c'est un collecteur qui peut encaisser plus, c'est ça? C'est ça, on va conseiller un collecteur d'admission avec port injection. D'accord. Là pour l'instant, on n'est pas passé au-dessus, c'est-à-dire que avec les ports injection, on peut mettre des injecteurs supplémentaires. Oui. Pour l'instant, nous, on a bouché ça pour qu'on reste, pour qu'on ait un peu plus d'entrée d'air. D'accord, c'est quoi? C'est sur quel type de turbo? Les turbos hybrides de 19T. D'accord. Et c'est une préparation qui sort de quel pays? C'est américain ou ça vient américain, ouais, c'est Wedge Performance. Wedge Performance. C'est ça. Et du coup, tu représentes Wedge à La Réunion? C'est ça. Très bien. On représente Wedge à La Réunion, mais comme je dis, le temps entre nous et lui, en fait, il y a un temps, quand on envoie les logs, il y a un temps quand même d'attente pour pouvoir répondre. Donc, on n'est pas tous les jours sur la voiture, donc ce qui fait quand même un délai. Depuis la première programmation, on est à la quatrième programmation aujourd'hui, oui. Qui n'est pas encore terminée à l'heure d'aujourd'hui. Et là, on vise combien de chevaux? Parce que là,
À combien de chevaux on est? Là pour le run, on est à plus de 530 chevaux. Plus de 530 chevaux et tout ça en propulsion. C'est ça. Faut savoir. Tout ça en propulsion, il faut savoir. Ouais. Et du coup, pour la quatrième Keva, qu'est-ce que tu comptes faire dessus? Bah après, c'est le programmateur, parce qu'on quand on envoie les logs, lui-même il dit ce qu'il faut modifier ou qu'est-ce qu'il faut modifier. Et à chaque fois qu'il nous envoie un nouveau programme, oui, on regarde, on envoie les logs pour voir si c'est bon ou pas. Mm-hmm. À l'aide d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de bon. Donc il y a toujours un petit changement à faire dessus. Bien sûr. On est passé sur le bon, on a 517 chevaux cette fois. 517. Je pense que tu vas arriver à la barre des 600. On espère. Allez, on va frôler déjà les 560 et puis on verra après par la suite. D'accord, pas de soucis. Vous pouvez voir qu'il y a une seule chaise. Tu as vidé la voiture. Oui. Et sinon, comme c'est un modèle anglais, je pense que toutes les touches, les boutons, même la boîte, c'est pareil quoi. C'est la même chose. C'est ça, exactement. Très bien. En fait, on a juste enlevé le siège pour le run, le 400, le Kinofficient, ce qu'on a fait la samedi dernier. Oui. Mais sinon, ça, voilà, c'est une voiture de tous les jours aussi. Parce qu'il faut savoir qu'on a un programme exprès pour le run et un programme exprès pour la vie de tous les jours. Mm-hmm. La vie de tous les jours, elle est 464 chevaux certifiés. D'accord. D'accord, donc on roule comme ça, bien. Voilà, pour toute la vie de tous les jours. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Et après, pour le run, on a un programme exprès pour le run. Donc là, qui monte à plus de 520 chevaux. Quoi. Très bien, donc volant d'origine, siège d'origine, c'est ça. Poste radio et boîte, tout d'origine. Exactement. Très bien. Bah, écoute, merci à toi Mathieu, ouais, c'était un plaisir. Voilà du coup ce que ça donne un petit peu une 335i préparée en stage 3. J'ai filmé quelques montées et je vais vous montrer ça, il n'y aura pas de problème, ça sera vraiment kiffant.